Aidez-moi. Plus personne ne doit entrer. Tout ça ne vous mènera nulle part! Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman! Mon enfant... Hugo! Amicia! Mère! C'est Vitalis qui a fait ça? Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil! Fuyez! Sortez d'ici! Ah, pour l'amour du ciel! Hugo, tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Lâchez-la, Vitalis! C'est votre dernière chance! Hugo! Ton pouvoir! Je vais bien, t'inquiète pas! Mais oui, Béatrice. C'est un élève doué. Dommage, et qui lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, le vieux! On est venu te buter, pas écouter tes discours! Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis égarées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges. Les anges du nouveau monde. Reculez! Merci. J'ai vu. Rassemblez-vous et avancez! Qu'est-ce que... Ils les regroupent! Ils ne s'arrêtent pas! La lumière ne les arrête pas! Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment? On doit essayer! Oh, c'est notre seule chance! Vitalis bénévent! Porteur! Regardez-vous, Vitalis! Vous avez abandonné vos... Incroyable! Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer! Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Laissez-les! Ce sont des enfants! Oh! Ce sont les reliques de l'ancien monde. Arrêtez ça! On est en train de la voir, Amicia! Oui! Continue comme ça! Abandonnez, Vitalis! Arrêtez ça! Non! Maman! Hugo! Amicia, il ne doit pas abuser de son pouvoir! On va vous sortir de là! Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur! Le vrai pouvoir! Le don de soi! Je suis l'unité! Je suis le sang! S'abattront sur la vieille chaîne. Mais
présent. Hugo, vous vous nourrirez bientôt. C'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Vous n'êtes pas chez moi. Revenez vers votre mère. Allez, rassemblez-vous. Ne les laissez pas nous diviser. Il n'y a plus de rats pour le premier. Comment la Macula, elle crie dans tout c'est ton sens. Dernier affront. J'ai sacrifié ma chair pour devenir le creuset où tout s'unit. Sublimé. Ce sol n'est plus à vous. Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament. Sortez. Levez la terre en renaissant. Soulevez-vous. Et frappez. Tout à vous. Ce n'est pas fini. Je vais les attirer sur les côtés. Des flots d'anges s'abattront sur ma vieille chair. Vous n'êtes pas chez vous. Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament. Hey!
Allez, on y va. Est-ce qu'on a tout ? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça ? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein ? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Alors, tu as pu retourner chez toi ? Oui. Le nid est toujours là, mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Pourvu que ça dure. Oh, Amicia ! Regarde ! T'as chance au tir ? Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia ? Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête ? Prête. Vous avez gagné une pomme. Et tout mon respect. Oui, Amicia. Bravo. La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey, on célèbre le 3e jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez jeter un œil. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire ! Hugo ! Bon, mais on reste pas longtemps. Hé, regardez ! Oh ! Le petit ! Oh, non.
Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Eh, il y a un problème? Le problème, c'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Et ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais la foire... Viens. Hé, Hugo. Quoi? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1, 2... Hey! Je suis juste derrière toi. Tu peux pas me battre. D'accord, d'accord, t'as gagné. Ouais, 20 pommes. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout? Le millepertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia? Oui? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo? Quoi? Tu me trouves jolie comme ça? Ce que t'es vilaine! Ce que t'es vilaine! Oh, vilaine? Moi? Tu ressembles à une grosse mouche. Une mouche? Ta propre sœur? Oh, cela mérite châtiment. Lucas!